Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Sirikai. Bonjour les gens. Donc là, on regardait vite fait les trucs. C'est où? Imposer l'unité religieuse. On fait ça. L'Holstein, histoire de... Accorder le statut de ville libre. Ouais, il est en guerre, lui. Propagation. Oh là là, va falloir qu'on aille défoncer la gueule à l'autre tocard. D'accord. Lequel, le tocard, le polonais? Le polonais, ouais. Le polonais, avec qui il est allié? J'ai plus de Autriche. rivaux. J'ai plus de rivaux. Ouais, moi non plus. Nouvelle doctrine. On va prendre doctrine humaniste. Tolérance avec Kipling, plus 2. Coût des doctrines, moins 10%. Ouais, super. Nous avons remporté le CS de Norlinge. Verden. Bon. La Saxe. Le Hambourg révolutionnaire. Hambourg révolutionnaire, on va dire. Prépare son guerre toutes tes thunes. Ah, mais on ne peut pas encore. Voilà, des nouvelles provinces légitimes, ça c'est une putain de bonne nouvelle. Et Verden, je voulais pas. Il n'y avait pas une histoire que j'étais en guerre avec Verden pour lui faire relâcher Je sais pas. Marchen? Ah putain, ça va être sa capitale. Ah, ma traite avec l'Espagne est terminée. Ouais, moi aussi. Ah oui, je t'avais invité dans ma guerre, c'est vrai. C'est ça, je suis dans ta guerre à la noix, je rappelle. Nouvelle doctrine. Ah, corps diplomatique, coût des technologies diplomatiques, moins 10%. Ouais, super. Et voilà, là je vais me pencher un peu sur mes idées. Enfin, mes policies. Ok. La Saxe. Ah, mais il a perdu des navires. Et où sa capitale à Stockard? Bah, à Dresde. Il va aller là-bas. Et on a Hambourg révolutionnaire. Hambourg révolutionnaire, je peux le sortir. Et là, donc. Accorder le statut de ville. Le Hambourg révolutionnaire, on lui donne. Holstein, je sais plus lequel. Libre le Hambourg, on pourra bientôt. Le 1er mai 1799. Hop. Oh, je peux que ce Billy écrase la révolution de Holstein, quelle tristesse. Forteresse 71%, sérieusement, c'est quoi cette blague le jeu? Oh là là, là ça devient le bordel. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, Verden. Ah merde, est-ce que si je lui prenais sa capitale, est-ce que je pourrais lui prendre... Ah merde, ouais, en fait sa capitale c'est Dithmarschen. Est-ce que je peux dire à... Je peux lui dire de relâcher Augsbourg, ouais, mais je... Non, en fait Verden, je vais devoir lui prendre Dithmarsch. Et de Dithmarsch, recréer le bousin. Voilà, je vais recréer le pays de Dithmarsch. Tiens, l'Holstein, on va démonter ses populaces. Les révolutionnaires, on va les défoncer. Alt, Saxe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Saxe? Thuringe, IO Thuringe. On va lui faire rendre des territoires. Hop, on lui fait libérer des territoires.
Alors, après. Ensuite, on va le dernier, on va lui faire relâcher Augsbourg, tes thunes, réparation de guerre. Ok. Ensuite, moi, je vais libérer la province de, enfin le Dithmarchen. Le Dithmarche. Envoyé. Alors attends, 2 petites secondes, je m'en pose là. Particulier français occupe Hawaï. Mes troupes en exil. Ça te dirait un petit métage de gueule sur la Pologne? Ouais, bien sûr. Avec Ah, plaisir. je ramène 160 000 hommes. Devrait Il faudra suffire. récupérer la dernière province pour la Hongrie. Ingolstadt, C'est il a simple. des. Alors, Ingolstadt, il a pris quoi? Ingolstadt, il a pris ça. Ah, on s'en fout, il n'y a pas de pays ici. Ah, il a pris Ulm? Et Ulm, il est où? Il est où, Ulm? Ulm s'est fait gober par Ingolstadt. Non, mais Ingolstadt, là, va falloir qu'on discute. Putain, où est-ce qu'on peut voir les pays? Ah ouais, Ingolstadt, le mec, il s'est pas emmerdé, quoi. L'autre, il est vas-y, qui prend 2 provinces, une qui appartient, bon, qui lui appartient. Norlinge, qui appartient à Wurtemberg, on s'en fout, il existe. Et Et Ulm, Ulm. il a pris Ulm. Donc Ingolstadt, viens là, faut qu'on discute. Je suis Ingolstadt rend la province. la province de Ulm. Ulm. Ulm est revenu. Ok. Maintenant, je vais regarder vite fait. Accorder le statut de ville libre. Augsbourg. Augsbourg, il me kiffe pas trop. Alors on va faire Augsbourg et Passau. Donc Augsbourg. Augsbourg. Faire influencer, ça ira plus vite. Et Passau. Passau, il est là. Si. Pas de diplomate envoyé. Ok, on a ça. Où m'était libéré, je viens de voir. Hop, Ulm, c'est devenu une ville libre. Ok. Memmingen, c'est-il. Non, lui-même, pas du tout, Memmingen. Chine. C'est vrai que Guir, je te conseille très, très vite disparaître, d'arrêter de me casser les pieds. Allez, une tournée avec Claude Couillon. Statut de ville libre. Augsbourg, comment ça, Augsbourg, il veut pas? Comment ça, tu veux pas être une ville libre? C'est 62. incroyable. Le Serac de Guir est désormais un pays de quatre provinces. Ah ouais, quand même. Ok. Donc, on disait, on va les mettre sur la gueule de l'autre tocard. Ah merde, j'avais mes idées aussi à faire. Ouh là là, j'ai trop de trucs. Ah, j'arrive à la mettre. Oh là là, j'ai trop de trucs à faire, moi. Le rival. République de donation. Voilà, on va te mettre sur la gueule, toi. Les idées, elles sont là. Réputation diplomatique. Relation diplomatique plus 1, ça c'est pas mal. Relassitude de guerre, réputation diplomatique, ouais. Oh! Réputation diplomatique, puissance commerciale. On va prendre ça plutôt. Ouais, c'est bien ça. Et ouais, j'en ai un autre encore. Réputation diplomatique, relation diplomatique, je crois. Bah non, je suis bien en relation. Amélioration. Non. Réputation diplomatique, lassitude de guerre, même si. Voilà. Ok. Toi, Autriche, Poméranie, Brabant. Diplomatie. Ah, est-ce que je peux. Ouais, va falloir qu'on aille... ouais, faut qu'on ait calmé ça. Plus 003. Ok. Ils sont. Vous êtes 4 à voter pour moi. Ah, en plus, maintenant, même toi, tu votes pour moi, mais de manière honnête, quoi. Ah non, moins 37. Presque honnête. Fin de la trêve, Bomberg. Diplomatie. Déclarer la guerre. Mise au ban de l'Empire. Ah, merde, je peux pas, j'ai une trousse avec.
Si j'allais mettre sur la gueule de l'espingouin. Non, je vais peut-être m'occuper plutôt de mes rebelles. Quoique. Elle est bonne jusqu'à quand ma trousse avec l'autre? Février 1802. Février 1802. Il y a quoi comme. Je vais regarder les casus belli que j'ai. Et les casus belli qui sont intéressants à savoir. Est-ce qu'il y a des états révolutionnaires? Mise au banc de l'Empire Scandinavie, République des Deux Nations, ouais. Memmingen. Libération impériale. Memmingen, c'est quoi cette histoire? Dithmarsch qui veut un mage royal. Non. Alliance de la part de Verden. Oui. D'ailleurs, Dithmarschen, toi, t'es où? Que je te dégage en tant que vassal. Ça sert à rien, toi. Diplomatie. Oui. Merde. Où est-ce que je peux libérer sa vassalité? Pourquoi? Garance une platique, non, tu pas... peux. Ah, face à un lien, ok, parce que c'est suite à un traité de ouais, parce qu'on. Ok. D'accord. Oh là là! Ouais, non, non, mais va falloir qu'on s'occupe de. Va falloir qu'on s'occupe. Ah, mon développement c'est fait. Va falloir qu'on s'occupe de d'autres connards de. T'en es où, toi, de ta paix avec la Pologne? T'as une trousse ou pas? Toucher ça normalement, parce que j'ai une paix avec lui. Ouais, j'ai une trousse en 802. Bah, c'est la même, hein. C'est la même, c'est ouais. C'est ça. Accorder le statut de ville libre. Augsbourg, il est ok. Ok. Passons. Ah, bon, je vais finir d'annexer le Jing. Ça fait tâche. Le Passau, il est où? Accorder le statut de ville libre. Oh, ça devrait être bien ça. Et là on est où? Le Saint-Empire plus 0,3. Bah, comment ça que 0,03? Un prince hérétique. Où ça y est, un putain de prince hérétique? Mais je reviens pas, j'ai passé mon temps à les combattre ces hérétiques. Putain de Suisse. Diplomatie. Ah, je peux pas lui déclarer la guerre. Tu peux pas lui mettre sur la gueule toi à la Suisse? Suisse. Impérialisme, Suisse. Il est allié avec Brunswick, Ingolstadt, Lusage et Bamberg. Ouais, je peux. Comme ça, tu me le fais, tu me le rebascules en catholique. Ça marche. Merci, poteau. Et qui est ce fils de pute? Brunswick, Ingolstadt, Lusage et Bamberg. Ah, attends, je suis en train de penser à un truc là. Début de la production du charbon. Voilà. Je les pille un peu les machins là. Oh putain, c'est beau ça! Colonne, Rhénanie-du-Nord. La province de contrée de Rhénanie-du-Nord va perdre tous ses idéaux révolutionnaires. Ils ne pourront pas arrêter avant 15 ans. Gandhi, sergent d'unitation. Début de la production. Bah, c'est bon, ça a failli se rebeller la Colonne, mais ils ont pas voulu. Est-ce que je peux. Là, toi, te prêter des mercenaires pour t'aider pour ta guerre à la con là? C'est même pas la peine, t'inquiète pas. J'ai 4 armées qui traînent dans le coin. Bouge pas, c'est cadeau. Ouais. Je vais convertir un trou de balle. On va claquer un peu. Oh putain, j'ai un petit peu d'argent. Ah, y a le Wu aussi, je suis en train de que je vais devoir achever le machin là. Ah oui. Oh, 18. Séville, Eltin du Bengale, Dar. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah oui, voir si j'ai des rebelles quelque part qui traînent. Histoire de les pacifier quoi. Je veux pas les défoncer, juste les pacifier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh là là, ils me saoulent les révolutionnaires là. Va falloir qu'on règle ça parce que là, ère des révolutions, j'ai toujours pas de. Il n'y a pas de. C'est quoi? Diplomatie autrichienne, réputation diplomatique plus 5. Oh là là. Empire russe. La Grande-Bretagne n'existe plus. La Prusse n'existe pas. La Russie n'existe plus. Ouais.
Ouais, c'est con ça, Haruko. dans l'ère des révolutions, on n'a pas. Ah, Pour c'est aller ok. taper sur le polonais. Moi, je suis Donc. tranquille parce Ah oui, j'avais que. pas vu ce qui restait de l'Indien. Ouais, le Bamani. Ouais, mais j'ai une trousse avec lui, ouais, je crois. Ouais. Le Bengale. Le Bengale, allié à Yu. Ah, j'ai pas de trait avec le Bengale, donc je vais peut-être aller lui mettre sur la gueule. Ouais, 40, 80 000 hommes pour le. Ah non, le Gujarat plutôt. Comme ça, le Gujarat, ça me permet de te baiser ton commerce. Quoique, j'irai, t'as pas de thune, j'ai pas de baiser ton commerce en plus. Ouais, c'est vrai que. Oh putain. Ah ouais, le Gujarat, je contrôle 31% du commerce. Et le nœud, il collecte 31,2. D'ailleurs, tu serais pas en train de collecter, non? Tu collectes pas? Et il y a 0,55 qui partent vers Hormuz. Non, pas Hormuz, Aden. Et 0 qui partent à Hormuz. Et moi, j'envoie 28,58 à Sofala. Ah ouais, Sofala, enfin, je développe mon économie là-bas, je contrôle que dalle. Ah, je contrôle. Ouais, ouais, quoique je contrôle que dalle, mais on tire comme des porcs en bas, quoi. Non, c'est vrai que peut-être. Non, Gujarat, peut-être. Ah oui, peut-être développer. Non, Gujarat, je suis bien. Ah mais j'en contrôle qu'à moitié ou sinon je vais défoncer Gujarat, je sais pas. J'y sais pas. Gujarat il est allé avec qui? À Fars et Delhi. Soit la puissance commerciale de Fars. Mais Delhi il est gros. Bengale. Bengale il est allié je crois avec Yu, j'ai vu. C'est quoi Yu? Y a la con. Ou sinon je Yu, pourrais aller c'est un défoncer le Siak ou Pasai. Vas-y, me souviens. Hein. Ou le Brunei. Oh putain, je sais pas quoi faire. Oh, tape sur des gens de toute façon. Ils ont Ouais voilà, pognon. mais. Je sais pas sur qui taper. Je Et ne sur qui sais tu veux, sinon ça fera du beau bleu sur les cartes. pas. Ouais, je vais aller me faire un petit coup de Bengale, quoi. Allez, diplomatie. Déclarer la guerre. Impérialisme. Enfin, Delhi ne vient pas, Yu ne vient pas. Ouais, parce que Delhi est défenseur de la foi sunnite. Bizarre, le défenseur de la foi catholique qui déclare la guerre au défenseur de la foi sunnite. Le défenseur de la foi sunnite qui fait « Je serais bienvenu, Mais j'ai mais j'ai piscine. piscine. » Voilà, les Ou un coup piscines là-bas. de Voilà, un truc dans le genre, quoi. Là et celui-là on l'envoie là-bas. Je crois que j'ai une flotte de guerre qui traîne. Non, j'ai pas de flotte de guerre qui traîne là. Bon, de toute façon, pas besoin de flotte de guerre pour eux. Et si je recrutais une autre armée de 40 000 hommes? Ouais, vas-y, amuse-toi. Voilà, exactement. Hop. 80 jours pour recruter ça. La République des Nations n'est plus un rival valable. Ouais, pareil. Cocarde de République des Nations. C'est clair, je te jure. Voyons. Le Satan. Putain, pourquoi moins 007? Il me fatigue. Ils sont encore en guerre, c'est con. L'ancien empire, c'est ça? Ouais. Zéro sept, ouais. C'est vrai que le Saint-Empire, putain, passe les réformes, mais watcha! Épargnons nos frères et sœurs, ne massacrons pas les gens de la bonne religion. Alors, tu arrives, ouais, vas-y, j'ai 25 000 hommes, je siège ta province. Pas de soucis, mon gars, arrive. Mes forteresses Bouge-toi. niveau 8. Les Indiens qui vont siéger des forteresses niveau 8. Tu fais, allez-y, les gars, faites-vous Ah plaisir. bah, il siège les coups avec des cailloux. C'est à peu près ça, quoi. Que quel niveau militaire ils sont? En vrai, je crois que surtout en fin de partie aussi que t'as une grosse. En milieu de partie, ça peut aller, les écarts. En fin de partie, c'est. Ouais, ils sont niveau 26, je suis niveau 30, donc. Aïe. Si je lui tombe à 40 000 contre 40 000 contre 1000, ça va pas être rigolo. Bon, pour l'instant, Hop. on a dit que ça se passe bien. Je suis en train d'envahir le Jin Wu et je vais finir ça avec Gear. Parce que je comptais le laisser en vie, et bon, il fait tâche sur l'écart, donc moins de pays, mieux ce sera. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, le Bengale tout seul. Oh là là, ça va être sale ce que je vais lui mettre. Déjà, je vais prendre toute la ligne de côte, là, tout ce qui est province côtière. Tu as peur de rien, il a 28 000, 25 000 hommes, j'en ai 40 000. Bon, c'est peut-être de la montagne. En colline, je traverse la rivière. Le mec, il était pas loqué, il me dit oh, va te faire enculer, je traverse. Et moi, je réponds stack wipe. D'accord. Non mais il y en a qui tentent, hein. C'est bien de leur Ah, tenter. mais. Ah, si, il a bien raison. Après, honnêtement, je ferai de même.
Aïe, Gir, hein. Tu vas défoncer, hop. Il sait plus. Si je vais me gonfler à tout en venant des guerres contre moi. Bouge tout. Oh. Je Du vais te coup, je vais checker l'intercepter cet enculé. qui est donc le maître. Ah voilà, je vais te l'intercepter, lui avec ses 30 000 hommes là. On met 40 000. Et Dieu crée la marche forcée. Oh, le pauvre. C'est à quoi il peut de l'espace que je lui mets? C'est immonde. Je te jure, c'est interdit au moins de 30 ans ce que je lui mets là. Oh, t'inquiète pas, je connais. Les stackwipes, c'est toujours agréable. C'est toujours beau à voir. Oh les Bon. pauvres. Il y a quelqu'un comme Sagouin qui joue à te défoncer. Il y a toi là-haut, Brunswick. Toi aussi, t'es Brunswick, ça sert à rien que j'aille là-bas. Ah, Brunswick, je sors de la guerre, tu m'excuses, deux petites secondes. T'es la religion catholique. Donc, juste prendre ton pognon. Merde, ma flotte de guerre, elle est dans le coin, je crois, vu qu'elle a défoncé la. Et a défoncé l'Australie. Ben oui. Tiens, là-bas, les tocards. Les tribus de Korchine se sont soulevées. Oh là là. Vous voulez que je m'emmerde jusque chez vous là-bas? Vous me cassez les pieds, les gars. Vous abusez. Hop. Ah ouais, dans un an, on déclare la guerre à ces enculés de polonais parce que là. Bon, plus qu'à De faire tomber la ville Bamanis. debout. De Bamanis, je veux. Ça. Putain, les idées de la révolution, elles arrivent partout chez moi, ça commence à me sacrément me casser les couilles. Bayreuth est tombé. Donc c'est où Bayreuth? En Allemagne. Ouais, c'est Bamberg. Donc Bamberg, tu es Hey, prêt mais par son pu. guerre. Hop, hop. Norlingen, c'est chez Ingolstadt. Donc Ingolstadt, bouge pas. C'est la capitale. 46. Ok, et il te donne une fin d'épisode. Tu me dis, Ah. tu veux. En sauvegarde, si tu veux faire quelque chose, là j'ai mis en pause. Si t'es, tu voulais valider un truc ou faire quelque Ouais, chose. je fais juste une paix là. Ben ouais, je valide ou je l'enlève ou je la laisse? La pause. Non, c'est bon, regarde. Allez, hop. On peut faire l'épisode. Ok, donc voilà. Sur ce, les gens, Ingolstadt, très bien. Sur ce, on s'arrête là. On vous dit bye bye. Et on se retrouve donc demain pour la suite de la série. Désolé pour ce coupure, oh, résultat pas, il y a une petite. Il y a 5 minutes à sauter au milieu. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde! Au revoir tout le monde!